Thank you.
Je t'embrasse la
Voilà, je dois rien plus tard. Je veux lâcher.
Sagesse d'en connaître la différence.
tout lieu de prière, lieu de rencontre avec le Christ, qui puisse rester là pour les enfants et les petits-enfants, beaucoup de générations puissent encore profiter de cette belle église. Alors préparons-nous, mes frères et sœurs, à rentrer dans cette Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Seigneur, tu vois nos faiblesses et nos refus d'aimer et de partager. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as donné ta vie pour notre salut. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux affermir notre foi et stimuler notre charité. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël.
C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils seront les premiers d'être déportés, et la bande des vôtres n'existera plus. Parole du Seigneur. Irréprochable jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ.
Celui qui me fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain, unique et bienheureux, roi de rois et seigneur de seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs,
J'ai l'habitude de descendre ici pour vous parler. C'est moi, je peux le faire. Mes confrères, ils ne le font pas. Mais c'est une question. Parce que, comment je peux vous dire ça, moi je suis grand. Mes confrères, ça serait un peu difficile. Mais... Alors, papa. Alors, on va parler de la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui, c'est la nourriture que Dieu nous donne pour la semaine. J'espère que vous l'avez écouté. Parce que c'est ce qu'on a de nourriture pour passer la semaine jusqu'à dimanche prochain. Bon, si vous écoutez la parole de Dieu quotidienne, ça va très bien. Alors, parce qu'il faut nourrir notre spiritualité, alors Jésus-Christ, il parle de la richesse. Il nous a parlé de beaucoup, beaucoup de choses avant de mourir, crucifié et de ressusciter. Il parle de la richesse. Il y a deux évangiles, il y a deux paraboles dans l'évangile de Saint-Luc, deux paraboles où Jésus-Christ parle de la richesse. La semaine passée, pour ceux et celles qui étaient à la messe, la semaine passée, nous avons écouté la première parabole. Le gérant et le maître. Un maître qui avait beaucoup, beaucoup de richesses et a laissé un gérant malhonnête gérer ses affaires. Est-ce que nous ferons ça? Non. Laisser les malhonnêtes gérer nos biens, notre richesse. Aujourd'hui, c'était la deuxième. Lazare et le riche. Cette personne riche qui a beaucoup, beaucoup de richesses. Et le pauvre Lazare. C'est qui le riche? L'unique vrai riche, c'est Dieu. Si on ne l'a jamais entendu, je vous le dis, celui qui est vrai, riche, c'est Dieu. On connaît Bill Gates, Elon Musk, et tous ces riches, mais le vrai, c'est Dieu. À Dieu appartient toute la création. Il a tout créé, et il nous a tout donné, et même ta propre vie appartient à Dieu. Il te l'a donné. Toi et moi, nous sommes des gérants. Il nous a donné à gérer. Il fait un jour, nous allons rendre compte de notre gestion. Et ce n'est pas pour vous faire peur. Parce que le Seigneur, il est bon. C'est la première chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est amour. Je sais que l'Évangile peut nous faire peur parce que ça parle d'un lieu horrible. Le Seigneur, il est bon. Jésus-Christ est venu nous montrer le Père, mais le Père qui est aussi amour et pardon. Alors, le riche, c'est Dieu qui nous a beaucoup donné. Alors, si nous voyons dans l'Évangile d'aujourd'hui, il y a le riche et le pauvre Lazare. Nous, est-ce que nous sommes les riches ou les pauvres? Certainement, nous sommes les riches. Dieu nous a tout donné. Beaucoup, beaucoup de bénédictions spirituelles et matérielles. Chacun de nous en a reçu beaucoup. De la richesse matérielle, oui. Mais de la richesse qui n'est pas matérielle aussi, de beaucoup de talents, la santé, des années de vie, l'opportunité d'aimer, de partager avec l'autre, les talents pour chanter, pour danser, s'il y avait beaucoup de talents. Dieu nous a tout donné et nous sommes riches. Le pauvre, c'est qui le pauvre? On sait qu'il y a les riches, et on sait que le riche de l'Évangile n'est pas méchant. Il n'a pas fait le mal.
n'a pas fait le bien non plus. Il est juste là, si vous avez bien écouté l'évangile, il est là. Il n'est pas méchant. Peut-être nous non plus, mais faire le bien. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, dans la parole de Dieu, la richesse, avoir beaucoup de richesse, ça, ça veut dire bénédiction de Dieu. Quelqu'un qui a beaucoup reçu, c'est une bénédiction. Parce que Dieu, le Père, ne veut pas que toi, que tu sois dans la misère. Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a tout créé, ne veut pas que moi je sois dans la misère. Il ne veut pas des enfants misérables. S'il est notre Père, et nous proclamons, nous disons Père, il ne veut pas des enfants dans la misère. Il veut que nous soyons bien. Il nous a beaucoup donné. Alors, dans la Bible, dans la parole de Dieu, la richesse, ça veut dire bénédiction. Mais il faut maintenant passer du côté du pauvre. Ce qui est le pauvre, Lazare. Si ici il n'y a que des riches, nous cherchons le pauvre, comme dans le film, des pauvres qui ont tous les linges déchirés et qui puent. Il n'y a pas beaucoup à Saint-Côme, je ne crois pas. Le pauvre, Dieu nous a donné à chacun de nous au moins, on l'a ça. Peut-être deux, trois, plusieurs l'a ça. Ce qui l'a ça, regarde autour de toi. À qui tu as marié, toi? C'est qui est le plus proche à toi, peut-être c'est ton Lazare, avec qui tu dois partager ta richesse. Partage ta richesse. Ton conjoint, peut-être ton conjoint, c'est ton Lazare aujourd'hui, sera ton Lazare toute ta vie. Ton conjoint, ta conjointe, partage avec de ta richesse, de ton amour. Tes enfants, oui. Tes enfants peut-être sont pourquoi Lazare qui est là. Partage avec tes enfants de ta richesse, de ton amour. Que tes enfants puissent se sentir aimés. Parce que toi, tu as partagé avec eux, tu les as aimés. Partage ton talent, ton intelligence, ta patience. Ta richesse aussi matérielle, on peut la partager aussi, c'est la plus difficile. Partageons aussi la richesse, il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont là, les collègues de travail, voisins, voisines, des gens qui peut-être sont le moins, comment je dirais, sont un petit peu moins agréables et qui sont là. Et il y a des petits détails qui nous dérangent et on dit non, mais avec lui je n'aimerais pas partager parce que non. Parce qu'il y a les ulcères. Les ulcères, c'est comme la COVID. On ne veut pas s'approcher à quelqu'un qui a la COVID parce qu'on pense qu'il va où tout de suite, le plus loin possible. Les ulcères sont comme la lèpre. On ne veut pas non plus la recevoir. C'est désagréable. Alors, mes frères et sœurs de Saint-Côme, il y a des gens autour de nous qui peut-être ont des comportements qui ne sont pas à notre goût, à notre qui ont un mal-être, qui soit différent. Mais ils sont comme ils sont. Acceptez Lazare comme il est, il est aimé comme il est. Qui est différent à nous, qui est différent à toi et à moi,
Ça se peut que moi, je sois dans mon presbytère avec mes confrères, je sois un bon lazare pour eux. Ils doivent avoir beaucoup de patience envers moi, ça se peut. Que je sois leur lazare, ils sont là pour m'aider, ils font très bien ça. Ils partagent leur richesse avec moi, leur patience, leur bonté. Et moi aussi, je fais aussi ma part. La vie communautaire aujourd'hui, c'est une belle parole pour nous, mes frères et mes soeurs, pour apprendre à partager de notre richesse et à savoir que ce n'est pas seulement le business, l'argent, on a beaucoup plus que ça. Et ne pas oublier que Dieu a tout créé et il nous l'a tout donné. Des fois, on prend tout pour nous et on dit c'est ma maison, ma voiture, ma, à moi. Tout appartient à Dieu. Et nous n'allons pas partir avec. Quand la vie finira et le Seigneur va nous appeler pour aller les rejoindre, on ne peut pas partir avec. Tout appartient à Dieu et puis on va aller les rencontrer. Que le Seigneur nous donne de partager de nos richesses avec tous ceux et celles qui sont autour de nous. Et continuons la journée. C'est bon. Je vous invite à vous lever. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père. Des mesures bénéfiques non seulement à leur propre pays,
mais aussi à ceux qui traversent des épreuves, prions le Seigneur. Pour notre Église, pour le pape, les évêques et les fidèles de toutes conditions, afin que leur vie soit à l'image de l'amour que Dieu porte à tous les humains, prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles collaborent de bonne foi avec les organismes qui se vouent au service des personnes migrantes et réfugiées, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, que l'arrivée des migrants et des réfugiés nous offre par leur dynamisme et la diversité de leurs apports une nouvelle énergie pour notre vie de chrétiens et de chrétiennes. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, rends notre cœur semblable au tien et fais de nous des artisans et artisanes de paix à l'image de ton Fils Jésus-Christ qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. La célébration d'aujourd'hui est une façon festive et différente de prier notre Dieu. C'est aussi un moyen de recueillir du financement pour la communauté chrétienne de Saint-Côme, qui servira à l'entretien de notre belle Église et au maintien des différents services pastoraux de la communauté. Des personnes passeront pour recueillir vos offrandes. Nous vous remercions de votre partage. Mais avant, on va faire la possession des offrandes, s'il vous plaît. Présentation des offrandes. Patrick Fleur. Patrick offre le pain et le raisin, symbole de l'Eucharistie célébré aujourd'hui. Alcide présente le chapeau et le lasso, symbole de notre fête et lien vers Dieu qui nous invite à se rapprocher de lui. C'est le moment de la quête, si j'ai bien compris. Alors, je vais vous inviter déjà que Dieu est tellement généreux envers nous et dans notre gestion de cette église, parce que Dieu nous l'a laissé et nous sommes des gérants. Alors, soyons généreux et généreuses envers notre église. Thank you.
Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, tout Dieu et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes les choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. C'est donc que nous avions perdu par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les saints et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. De même après le repas, il prit la coupe, de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Thank you.
part de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons que n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, pour la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Gérard, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les enfants. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos deux enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la généreuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Paul, Saint Georges, Saint Jean-Paul II, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous soyons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière. Nous allons chanter la prière que nous avons appris de sauver. Thank you.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, que le corps et le sang de Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen.
Val Corfin. Îți aplaudisem la frațiule. On va... Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Prions le Seigneur. Que les sacrements du ciel, Seigneur, guérissent nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Un dernier petit mot de la fin. D'abord, merci à l'abbé Jonathan d'être venu célébrer aujourd'hui. Un dernier mot pour exprimer. Reconnaissance à tous ceux qui se sont impliqués pour l'organisation aujourd'hui. Chanteurs, chanteuses, danseurs, danseuses, tous les bénévoles, nous vous disons un grand merci de la part de toute l'équipe.
Le Seigneur soit avec vous.